patinage ici à Vic, contracter tous les gens qui sont montés sur le podium de ces championnats. Et ça a été une surprise pour Dmitri Dmitrenko, peut-être même une surprise pour lui aussi. Troisième de ces championnats d'Europe. Le seul podium qu'il ait franchi, c'était il y a 5 ou 6 ans, lors de ces mêmes championnats d'Europe. Il avait remporté la même année le titre de champion du monde junior et de les grâces du podium. C'est maintenant chose refaite. Il s'est fait plaisir, Dmitrenko, il nous a fait plaisir également avec cette jolie petite leçon de chorégraphie, c'était assez bien fait. Patineur qui avait, c'est vrai, ces dernières années, un petit peu laissé de côté son originalité, ce qui faisait son originalité lors de ses premières apparitions. On sait qu'il composait sa musique, enfin il était un petit peu producteur, metteur en scène de ses propres spectacles. Il avait laissé un petit peu cela de côté pour revenir à la rigueur et on est content de le voir revenu encore une fois à des dispositions plus artistiques. Oui, la conception de cette exhibition est intéressante, Michel. C'est une exhibition, on pourrait qualifier de pédagogique puisqu'on passe en revue toutes les différentes figures d'école que doivent travailler les patineurs. Glissement final. Des figures les plus compliquées dont nous avons été...